أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، les vidéos sont tellement courtes que je ne pouvais pas prier sur le Nabi Sassam depuis tout à l'heure, ça me manque. Donc il fallait bien que je prenne un peu plus de temps. On continue l'explication de Surat al-Fatiha et nous arrivons après « Ihdina Surat al-Mustaqim »« Guide-nous sur la voie droite » donc les invocations, maintenant on est digne d'invoquer Allah. Mais c'est quoi en fait ce Surat al-Mustaqim? Parce qu'on a beaucoup de gens qui demandent des choses, mais qui n'ont pas conscience réellement de la réalité de ce qu'on demande. Et si moi je demande une chose, mais que mon tasawwur, l'imagination que j'ai de ce que je demande n'est pas la bonne, eh bien, peut-être que je vais me tromper, en fait. Il y a des gens qui sont dans l'égarement, dans l'innovation, dans des choses condamnables du dîn, mais qui pensent être sur la voie droite. Donc, la simple intention et la simple volonté de bien faire ne suffit pas, parce qu'on a le danger de l'innovation, al-bid'a. Nous avons le danger du polythéisme. Et qu'on va appeler le polythéisme. On aura plein de dangers autour de nous. Ta seule intention ne suffit pas. Wallah, mes frères et sœurs, il faut qu'on arrête avec ça. Allez, Hayabina, on apprend un peu notre din. Et on arrête de croire que parce qu'on a des origines de tel pays ou tel pays, ou alors qu'on est né dans tel pays ou tel pays, on connaît bien l'islam. L'islam, c'est un din, un mode de vie, et l'islam, c'est un ilm, une science. Mais regardez, mashallah, on a plein de gens aujourd'hui qui enseignent. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. D'apprendre votre dîn, inshallah ta'ala. Demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka, ya Rabbal Alameen. Ihdina sirat al-mustaqim. Et Allah va nous préciser. Sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdoubi alayhim, wa al-dallin. Donc, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin. Mais c'est quoi? C'est le chemin de qui? Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Mais qui sont-ils, ya Allah? À qui est-ce que je dois ressembler? Est-ce que je dois ressembler à un youtubeur? Est-ce que je dois ressembler à quelqu'un, un influenceur ou une influenceuse sur Instagram? Est-ce que je dois ressembler à ceux qui se dandinent dans tous les sens sur TikTok? En fait, à qui je dois ressembler? Est-ce que parce que je porte un hijab et que je peux mettre de la musique et danser en faisant croire que ça c'est l'islam? Comment je fais? Allah nous répond dans un verset où Allah Azza wa Jal nous dit « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ » Et quant à ceux qui suivent Allah et qui obéissent à Allah Azza wa Jal et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux vont ensemble, même si Allah est toujours au-dessus, bien sûr. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Eh bien, ceux-là qui ont suivi Allah Azza wa Jal, obéi à Allah et concrétisé cette obéissance par les actes, et les actes, on les trouve dans leur concrétisation, dans le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là seront avec, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ. Allah leur donnera pour compagnons les élus de sa grâce. Qui sont les élus de sa grâce? فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Écoutez bien. مِنَ النَّبِيِّينَ. Parmi les prophètes. وَالصِّدِّيقِينَ. Les véridiques. وَالشُّهَدَى. Les martyrs. يَا رَبْ. Les martyrs d'Allah Azza wa Jal. وَالصَّالِحِينَ. Et les pieux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et il n'y a pas de plus belle compagnie. Écoute, c'est qui cette voie droite? Écoute, c'est qui? Ceux qui obéiront à Allah Azza wa Jal et au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pour obéir au prophète d'Allah, il faut la sunna. Sans la sunna, on ne peut pas concrétiser « La ilaha illallah » Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et on ne peut pas concrétiser ce verset, notamment, et d'autres encore. Cela, Allah leur donnera pour compagnons, écoute bien, les élus de sa grâce, les prophètes. Allahu Akbar. Si tu es droit, tu seras élevé au rang, peut-être, des prophètes, des justes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder leur compagnie, ya Rabbal Alamin. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal, pour nous réconforter, il finit par « Et il n'y a pas de plus belle compagnie que celle-ci. » Avec qui tu vis est déterminant pour avec qui tu seras ressuscité. La façon dont tu vis est déterminante sur la façon dont tu vas mourir.
Et la façon dont tu mourras, tu seras ressuscité dans le même état. Imagine-toi mourir pendant le Hajj, mourir en prosternation, mourir en faisant du zikr, à l'opposé. Imagine une personne qui meurt en état d'ébriété, qui meurt en s'échappant de la police et en mourant comme cela. Imagine-toi des gens qui meurent dans le péché et qui sont donc ressuscités sur les péchés et sur les ténèbres, comparé à ceux qui meurent dans la lumière et sont ressuscités dans la lumière. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder ce sirat al-mustaqim et de nous accorder la lumière, ya Rabb al-alamin, celle de la foi, ya Allah. On as'alou Allah yubarik fi ilmina, ya Rabb. Demande à Allah de nous accorder la bénédiction dans notre connaissance qu'il nous donne comme il le veut. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal ahbab. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.